Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. افتح لي. افتح لي. أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Donc nous continuons, les enfants, notre étude sur l'importance de la maman. Et ces cours que vous écoutez, que vous étudiez, toute votre vie, il faudra vous en rappeler. Et vous vous souvenez, on a parlé de l'histoire d'Ibn Omar. Répétez, Ibn Omar. Ibn Omar. Radiyallahu an. Radiyallahu an. Radiyallahu anhuma. Ibn Omar, il a vu un homme qui venait du Yémen. Et cet homme, il faisait le tawaf. C'est quoi le tawaf? C'est le tour de la... Très bien, c'est quand on fait sept tours autour de la... De la Kaaba. Et il avait quoi sur son dos, cet homme? Il avait quoi sur son dos? Il avait sa maman. Et il disait, je suis pour elle un doux chameau. Si d'autres montures se fatiguent de ton poids, moi je ne m'en lasse pas. Et il disait, Allahu Akbar, Allahu Rabbi. Il disait, Allah est mon Seigneur, plein de majesté, et il est le plus grand. Ensuite, il disait en plus, j'ai porté ma mère plus que elle, elle m'a porté. Donc il a été voir Ibn Omar et lui a dit, est-ce que tu penses que je lui ai bien rendu le bien qu'elle m'a donné? Ma mère, elle m'a fait du bien, est-ce que tu penses que moi je lui ai rendu le bien qu'elle m'a donné? Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'a dit Ibn Omar? Il a non. Dit non. Même pas le moindre gémissement, même pas la moindre douleur que tu lui as fait subir, tu ne lui as pas rendu. Et également, un point essentiel, les enfants, c'est que lorsque tu es bon avec ta mère, ben vous savez ce que vous allez gagner lorsque tu es bon avec ta maman? Allah, il va t'effacer tous tes péchés et même les grands péchés. Comme le disait l'imam Ahmad. L'imam Ahmad, rahimahullah. Et l'imam Ahmad, il a grandi que avec sa maman. Puisque quand son papa il est mort, il avait 3 ans. Donc il a quasiment pas connu son papa. Mais sa maman, elle s'est bien occupée de lui. Sa maman, elle connaissait toutes les mosquées de Bagdad. Sa maman, elle le ramenait à la mosquée et il a appris le Coran jeune, l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le fait d'être bon envers ses parents, le fait d'être gentil envers sa maman et envers son papa, cela a pour conséquence qu'Allah va effacer les grands péchés. Et également, on a interrogé Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, au sujet d'un homme qui a fait une très très grosse bêtise. Vous savez ce qu'a fait cet homme? Non. Il a tué sa femme. Et ça, c'est très grave. Est-ce qu'on doit être méchant avec notre femme? Non. Est-ce qu'on doit frapper notre femme? Non. Est-ce qu'on doit crier sur notre femme? Non. Est-ce qu'on doit insulter notre femme? Non. Est-ce qu'on doit tuer notre femme? Non. Eh ben cet homme, oui. Il s'est énervé et il a tué. Ensuite, cet homme, il était triste et il avait peur qu'Allah le mette en enfer. Donc, il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Et il a été voir Ibn Abbas. Et quelqu'un a été voir Ibn Abbas pour lui dire comment il peut se repentir. Et Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit, si ses parents sont vivants, qu'ils soient bons envers eux, tant qu'ils sont encore en vie, peut-être qu'Allah lui pardonnera. Peut-être que lui, s'il demande à Allah de lui pardonner, et en même temps il est bon envers ses parents,
Et bien Allah Azza wa Jalla va lui pardonner son péché et il va mettre sa femme au paradis puisqu'elle était musulmane et il a tué injustement. Également, quelqu'un qui avait fait un autre grand péché, il a étudié, il a appris la sorcellerie. Et le sihr, c'est la pire chose que l'on peut faire. Nous, on déteste les sorciers et les sorcières. On déteste la sorcellerie. Eh bien, il y a un homme qui a appris la sorcellerie. Et c'est grave, parce que celui qui fait de la sorcellerie, il n'est plus musulman. Et il ne pourra pas aller au paradis, mais il devra être jeté en enfer. Mais lui, il a regretté. Il a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de lui pardonner ses péchés. Alors, la même chose, il lui a dit, radiyallahu anhuma, il lui a dit qu'il soit bon envers ses parents. Et peut-être qu'Allah azza wa jal lui pardonnera ses péchés. Donc retenez les enfants, retenez les musulmans, retenez les croyants. Combien de musulmans ont passé des heures à rendre service à leurs parents? Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné le fait qu'Allah Azza wa Jal leur a pardonné tous ses péchés, tous ses fautes, et les a libérés de tous les soucis et de tous les chagrins. Donc retenez, des fois, quand tu sors de ta maison, tu ne sais pas, peut-être c'est la dernière fois que tu verras ton papa ou que tu verras ta maman. Donc toujours aie des bonnes paroles. Toujours aie des bonnes paroles avec tes parents. Parce que certains enfants, vous savez ce qu'ils font? Ils sont à l'école toute la journée. Ils sont souriants, ils ont des copains, ils ont des copines, ils sont gentils avec leur maîtresse. C'est bien ça ou pas? Oui. Mais quand ils arrivent à la maison, ils font que bouder. Ils font que pleurer. Ça, c'est pas un bon comportement. Pourquoi t'es gentil à l'école et t'es pas gentil à la maison? Ou d'autres, quand ils sont à la cantine, ils mangent tout. Tout. Même des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont manger. Ils sont à la cantine, ils mangent. Et quand ils arrivent à la maison, oh non, j'aime pas. Et ceci, et cela, et tatati, et tatata. D'accord? Non. Donc attention, les enfants. L'endroit où on doit être le plus sage, c'est à la maison, avec ses parents. Avec ses parents. Surtout quand les parents ils commencent à devenir âgés, quand les parents ils commencent à devenir faibles, ils commencent à être malades, ils commencent à avoir des cheveux blancs et gris. Dans ce cas-là, on doit être encore plus gentil avec eux et on doit les aider et bien s'occuper d'eux. C'est pour cela qu'on doit les aimer. On doit avoir de la tendresse avec nos parents. On ne doit pas être ingrat, on ne doit pas être désobéissant, on ne doit pas être méchant. Parce que si on fait cela, Allah tabaraka wa ta'ala se mettra en colère contre eux, contre nous. Et vous savez qu'il y a des enfants qui ont eu un très mauvais comportement envers leurs parents. Il y a des enfants qui ont eu un très mauvais comportement envers leurs parents. Et on expliquera ce point-là, inshallah, dans la prochaine leçon. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.